Hello les gens, ici c'est Shadowar et Amy, on se retrouve aujourd'hui pour un sixième épisode de Ni no Kuni 2. Et la dernière fois on s'était arrêté. Non, on s'était pas arrêté dans mon cul, on s'est arrêté à la vallée borasque chez les pirates déserts. Plus exactement. C'est à côté de mon cul. Ah bon? La ville de mon cul se trouve à côté de la vallée borasque, je ne savais pas. Et nous avions récupéré. Nous avons récupéré Shanti. Ce n'est pas Shanti. Contrairement au chat qui est en train de te mordre le bras, tu sais. Qui n'est pas très Shanti. Shanti, la fille du chef, en gros, des pirates déserts, qui va nous emmener au dôme de lumière grâce à leurs incroyables machines volantes dont on ne connaît pas du tout le nom. C'est un planeur. Avec un planeur, on arrivera au dôme sacré en deux temps, trois mouvements. Vous êtes prêts à partir? C'est vrai que dans cette série incroyable, nous faisons tous les doublages. Et on n'est même pas payé. Oui! Accrochez vos ceintures, on y va! Evan Ladd! Hey, petit haut, je peux te parler deux minutes avant que tu partes? N'est-ce pas? Non. Je pouvais pas vraiment m'opposer à sa décision de partir devant les autres, mais. Tu sais, personne n'est jamais revenu indemne du dôme sacré. Si jamais il arrivait quelque chose à Shanti. Sois sûr que je te le ferai payer. Quoi, je sais. Aïe. D'accord, nous ferons attention, promis. C'est quoi cette voix? C'est la voix débile que je lui fais. je crois qu'on est prêt à prendre la route. Tu veux faire sa voix? Non. Non. Fais le bruitage aussi. Non, non. Wahoo! C'est beau. Oui. C'est de toute beauté. C'est joli. C'est ce que j'utilise en outro. Pour les boulets. Des chibis! Le dôme sacré se trouve en haut de ses marches. Wow. Eh bien, ces escaliers sont impressionnants. All right. Oh God! Oh God! C'est la dernière étape, allons-y! C'est parti les armes. Oui! On va les baigner. Ouais, je sais pas. Non! Si on va dans l'eau, est-ce qu'il y aura des, laissez-moi des Pokémon? Des crabes, des Pokémon. Est-ce que je peux retourner? Vous voulez retourner au repère? Non. Non. What's that now? Mais c'est quand vous voulez passer votre épreuve, hein? Je sais pas quoi faire, moi. Je sais pas ce que ça a à faire. Je sais pas quoi faire, moi. Il sait aussi ça, je sais pas quoi. Oh et... Attends, mais. On peut pas aller sur l'eau, mais il y a un truc là-bas! Je pense qu'on va avoir un bateau. On va avoir une compétence pour aller sur l'eau après. Non, on va avoir un bateau. Ouais, on va avoir une compétence pour aller sur l'eau après. Non, de type bateau. De type barque. De type cachalot. On peut aller sur les cachalot. Non, on peut pas. Putain, mais c'est nul. Vas-y, vous mettez des trucs trop bien, on peut pas y aller, c'est nul. Putain, mettez-nous des trucs qu'on peut aller. Oh, c'est le dôme sacré. Under the dôme. The sacred dôme. Le dôme de lumière. Ouf. It's beautiful, hein. It's beautiful. Ah. C'est donc ici que nous allons conclure notre pacte avec le fameux... Oui, enfin, j'imagine que ce sera pas si facile. J'ai pas eu le temps de voir, c'était trop rapide, en vrai. Il parle trop rapidement. Dôme de lumière. Oh. D'accord, j'ai pas compris ce qu'il a fait, mais c'est pas... Il a changé son bâton. Ah oui, j'ai pas mon arme. Ok, très bien. Il n'y a rien à faire, donc du coup on va parler à la pierre runique. Parlons à étrange. La parlons à la pierre. Bonjour Pierre. Qu'est-ce que? Trois petits points. Êtes-vous à la recherche de la protection d'un gardien? J'y attendais pas. Quoi? Vas-y. Une statue qui parle. Incroyable. Mon nom est Evan. Je suis venu ici pour recevoir la protection d'un gardien. Allez, t'as commencé, tu dois finir, hein. Vas-y. La protection du gardien vous sera accordée une fois les épreuves de sagesse et de courage remportées. Mais c'est la voix de Shanti, ça. Mais faut faire les voix, moi. La protection du gardien vous fera accorder. Eh ben voilà, tu l'as fait. Tu vois, c'est simple. Trust in me. Tu vois. Seul prévôt au titre de roi est autorisé à entrer dans les zones d'épreuve. Oh non! Que les épreuves commencent. Que le sang vous soit favorable. Ça la gladoule, la magie. Fais attention à toi, trois petits points. Papa, point.
J'ai confiance en toi. Tu vas y arriver, gamin. Il a pas dit gamin. Et en même temps, il a pas vraiment confiance en lui, tu sais. Comme quoi, ça passe. Bon. Quel truc chiant vont-ils nous faire faire? Est-ce qu'on va niquer les mères? On va certainement niquer la mère du serpent. Oh, mais qu'est-ce que les c'est? Où suis-je? Bienvenue à l'épreuve de sagesse. Chaque histoire, c'est trop chiant, suit son propre cours. Saurez-vous deviner le cours de celle-ci? Point d'interrogation. Attention, revenir sous vos, sur vos pas vous sera fatal. Ah! Ah! Serait-ce le début de l'histoire? Tu fous. C'est la caméra qui était pas bon, attention! Serait-ce le début de l'histoire? L'histoire de quoi? Qu'est-ce qu'il parle? Inspectez le début du chapitre et sélectionnez commencer l'épreuve. Pour commencer, retracez ensuite le cours de l'histoire via les cercles magiques jusqu'à la fin du chapitre. Quoi? J'ai rien compris. Dans le cas où vous ne franchirez pas les cercles dans le bon ordre, il vous faudra recommencer du début en faisant bien attention à l'histoire. Il arrive que les roues se trouvent vers des... Attends, quoi? Il s'arrive que des roues se trouvent vers des statues, d'accord. Utilisez pour faire tourner les statues à 90 degrés! Si l'ordre de l'histoire a été respecté, mais que vous réussissez pas l'épreuve, vérifiez que les statues soient tournées du bon côté. De plus, faites bien attention au chemin que vous empruntez, car les dalles tombent une fois que vous marchez dessus. Pour recommencer, appuyez sur le gros pavé numérique au milieu. J'ai pas compris non plus. Alors, j'ai compris que là j'étais safe. Examinez le début d'histoire. En gros, ils vont raconter une histoire et on va devoir faire un truc avec, je pense. Il était une fois... un monde submergé par le pouvoir d'un dragon maléfique. Maléfique. Ne pouvant accepter la situation, un jeune homme, c'est très important, les mots, ils sont en couleur. Ils sont pris en bleu. La décision de neutraliser ce fléau afin de sauver le monde. Alors qu'il préparait ses affaires, le jeune homme trouva une baguette sacrée, ma bite, qui révéla ses pouvoirs cachés. Attiré par cette nouvelle puissance, une fée apparut en face de la baguette et rejoignit le jeune homme dans sa quête. C'est ainsi que tous deux partirent en quête de paix. Mais en fait, il raconte l'histoire de Nino Kuni 1, en fait. C'est ça. La fée, c'est Lumi, mais le jeune homme, c'est Oleva. Et la baguette sacrée, je sais plus si la baguette sacrée avait... il l'a récupéré, la baguette sacrée, ou je sais pas. Parce qu'il me semble que la fée, elle a apparu quand... Enfin, Lumi, il a apparu quand il a pleuré dessus. Hein. Oh, d'accord. Très bien, collecter les sphères bonus se trouvant dans un chapitre n'est pas une nécessité, mais elles vous permettront de gagner un bonus une fois le chapitre terminé. Ok, je dois donc arriver à la fin de l'histoire dans le bon ordre et sans revenir sur mes pas. C'est un putain de casse-tête, très bien. Donc... le jeune homme... Oui, attends, non, mais vas-y, on conditionne. Je commence l'épreuve et tout ça, et pas de soucis, c'est jeune homme, baguette et fée. Ok, très bien. Donc... jeune homme, c'est là-bas. Baguette, c'est là-bas, et fée, c'est là. Donc on commence là-bas et on termine ici. Sachant qu'il faut aller récupérer les trucs là-bas. Ah, c'est chaud. Et qu'on ne doit pas revenir sur nos pas. Pour sortir, est-ce que ils vont nous remettre le truc ou pas? Faut que t'ailles à la porte. Après. J'ai un peu le doute. Il faudra que j'aille à la porte. Là, tu vas là, après tu vas tout là, après tu vas tout droit. Bonjour! Ah, c'est pas du tout Oliver. Il n'est pas du tout une tête d'Oliver. Ok, ensuite. Il faut que t'ailles la baguette. Ça. Tac, 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 bah si. Tac, tac. Comme ça, j'ai les bonus. Ah! Bah le ouais, truc t'es... de la baguette était de l'autre côté. Hé hé! Tu peux recommencer. Oui. J'ai cru que le truc était de l'autre côté. Chier. Ok, go. Mais comment je fais pour récupérer le truc là? Il faut que j'aille là, du coup. Tac, 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 tac. Hop. Mais du coup, je peux pas ressortir, là. Oh, la grosse baguette. Comment je fais pour... toc, toc. Là, y'a rien. Je peux aller là. Eh, je suis mort. C'est marrant. C'est quoi ça? Ah d'accord, pour valider. Donc il faut terminer ici. Il faut terminer par ici. Ok. Donc il faut reprendre un chemin pour faut penser à prendre un chemin pour repartir aussi. Ok, très bien. Du coup, je me demande si je devrais pas aller chercher le truc qui est là.
Ok. Ok. Tout droit, et après tu fais le tour. Ouais. Ici. Voilà. Donc ensuite, je fais ça. Toc, 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 toc. Non, la roue. Quoi? Qu'est-ce qu'il y avait la roue? Tu la mets dans le bon sens. Qu'est-ce qui n'est pas dans le bon sens? Là, elle est pas dans le bon sens? La fée. Ah, t'as la... vu, c'est Lumi la fée. Mais elle est dans le bon sens, pourtant, la fée. Regarde, Lumi, c'est Lumi. Oui, c'est Lumi, Lumi. D'accord, bon, la statue n'est pas dans le bon sens. Mais pourquoi la statue n'est pas dans le bon sens alors qu'elle est quand même... Elle est face à moi. Ah, face à la baguette. Face à la baguette. La baguette du fromage, bien évidemment. Ok, paf, 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 paf. Le speedrun, attention. Donc, tac. On tourne. Touche. Touche. Face à la baguette. La baguette. Si voilà. C'est bon, tu fais le tour. Ouais, la baguette, elle est un peu orientée par là-bas, quand même. Mais bon. Tac. Tac, 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 tac. Attiré par cette nouvelle puissance, une fée apparue en face de la baguette et rejoignit le jeune homme dans sa cut. Pou, 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 pou. Non. Voilà. Là, c'est bon, on peut y aller. Oui. Donc, en fait, c'est bien Oliver et Lumi, du coup. Même si du coup c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé dans le 1. Juste pour ça. Vous obtenez un encens magique raffiné, attention. Une armure en cuir. C'est pas dégueu. Yeah, yeah. Porte est ouverte. My girl. My girl. Wesh, my girl. Attends, je peux faire quelque chose? La baguette magique. La baguette. Et là on a le droit à... Oh non, mais en fait il y a encore d'autres trucs. Oh fuck. Ah bah aussi. Ah bah oui, il y a tout le monde là. Regarde, celle qui joue de la flûte, c'est tout. Ah, c'est bon, il y a tout le monde. Incroyable. Sur leur c'est chemin. Mira. Ah, vas-y. Sur leur chemin, le jeune homme et la fée se trouvèrent de nouveaux compagnons. La première est une joueuse de harpe au cœur bon dont les mélodies envoûtantes apaisent l'âme. Le second est un expert en pistolette, dont le courage n'a d'égal que sa coupe de feu. Le troisième est un maître magicien qui transmet toutes ses connaissances en magie au jeune homme. Grâce à ses nouveaux amis, le jeune homme trouva le courage de faire face au monstre se mettant sur sa route, les terrassant un par un. C'est en se serrant le coude qu'ils continuèrent leur périple sans... face au monstre. Face au monstre. Et ça, ça sert à quoi? Mon châtiment. Alors, donc tout d'abord, t'as retenu l'ordre? La joueuse de harpe. La joueuse de harpe. L'enfant. La joueuse de harpe. L'expert en pistolet. Donc rose, vert, maître magicien en violet, le jeune homme en bleu, et ensuite face, les monstres en rouge. Oui. En face, il faut tourner la statue donc, des monstres. Donc d'abord, rose. C'est pas trop compliqué, il y a que c'est que dans cet ordre-là. C'est Mira. Ensuite, expert en pistolet tout là-bas. Vert. Bon, ça c'est aussi assez simple, sachant qu'il n'y a pas plusieurs chemins. Attention. Donc là, ça va être pour retourner que je vais le prendre. Hop, l'expert en pistolet. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus non plus. Mais ça doit être marqué dessus peut-être. Le magicien. Ensuite, le magicien. Toc. Le magicien, c'était le roi ou le prince, je crois. C'est un le jeune homme. Et le jeune homme, alors... Donc attention. Oh, alors, je dois... Je peux tourner le jeune homme et je peux tourner le monstre. Il faut qu'ils soient les deux face à face. Et l'histoire se termine au milieu. Donc, il faut que je passe devant. Toc, 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 toc. Pour tourner les monstres. Ah, ils ont pris un âme tarot. Ouais. Ensuite, il faut que je fasse le tour par là-bas. Toc, 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 que je tourne le gosse. Bouin, bouin. Et ensuite, tu t'arrêtes autour du milieu. Et ensuite, je sais pas pourquoi il y a tout ça. Je sais pas à quoi sert tout ça. C'est pour berner les gens. Très bien. Souhaites-tu mettre fin au chapitre? Oui. Il y avait pas d'orbe ici. Leur périple. Nice. Un encens magique encore. Le militaire a 3 feuilles cette fois-ci. Et la baguette modeste. Mais baguette quand même. Yes!
Et là, j'espère que c'est la fin. Je peux pas aller voir le nom du... C'est marqué dessus, tu penses? Je sais pas. Non, je pense pas que ce soit marqué dessus. Mira... Expert en pistolet. Ouais, c'est pas marqué dessus. C'est pas marqué dessus. C'est cool qu'il s'est fait un clin d'œil au Ben ouais, au moins il y a un truc, tu vois. Oh là là, mais encore! Oh putain. Ah, c'est la dernière étape avec un dragon géant. Yep. Alors. C'est parti. Alors. La destitution. Destruction. De... la destitution. La congolectionisation de l'animal marché. Mais oui, c'est clair. C'est clair. La destruction de Katou, imprégnée de la magie noire de la Bates, était nécessaire avant de pouvoir atteindre. La première tour s'écroula sous la magie du maître magicien. L'expert en pistolette, lui, s'occupa de la tour la plus éloignée. La joueuse de harpe enchanta les soldats gardant la troisième tour et les incita à la détruire. La dernière s'écroula après un coup de boule de la fée. Les quatre tours détruites, le vrai combat put commencer. Le dragon maléfique affaiblit le jeune homme. Non, le dragon maléfique affaibli, le jeune homme réunit toutes ses forces. Et lança le sort légendaire Lumen sur lui. Maximal. Le rubis sur son front brisé. Le dragon succomba. Le monde fut ainsi sauvé. Et tous vécurent heureux et eurent beaucoup. 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 De Nior. Oh ah, c'est oh terrible. C'est pas vrai, en plus, ils ont pas eu d'enfant. Alors, donc, pas ce qu'il est devenu, hein. J'ai tout oublié. Donc, on va recommencer. Normalement, alors, maître magicien, c'est la première. Ensuite, l'expert qui s'occupait de la tour la plus éloignée. Donc, il faut l'orienter en fonction de la tour, visiblement. Ensuite, la joueuse de harpe, donc violet, vert, rose. Vers les soldats. Et ensuite, la fée, en orange. Et enfin, le jeune homme. Il réunit toutes ses forces et lança le sort sur le méchant. Ok. Donc. Violet, ensuite vert, ensuite rose. Où est la rose? Où est la rose? Rose. Rose. Derrière la statue. C'est tout là-bas? Ouais. Ou derrière là-bas? Derrière la statue. Ah, derrière la statue, là c'est Oliver. Non, et la rose la elle fée... est à droite. Non, c'est, la, c'est ah, non. Lumi. Non. Elle est là-bas, je pense. Elle est toute c'est là-bas. C'est le magicien à droite. Non, là c'est lui et là c'est le magicien. C'est ce que je dis, c'est le magicien à droite. Oui, mais moi je montrais lui parce que je montais au fond à droite. Je t'emmerde. Et oui, incroyable. Et du coup, je sais pas à quoi ça sert cette dalle là. C'est pour tourner. Je sais pas. Alors, d'abord, le maître magicien. Il pète la dalle. Nickel. Il pète la dalle ? Ouais, il pète la dalle. Alors, ça, je vais voir. C'est quoi qui tourne ? Ah ! Ah, c'est pour pouvoir passer! Alors, ça ne va pas servir parce que je vais pas pouvoir passer là. Donc je suppose que c'est plutôt pour passer ici. Sauf que je ne peux pas revenir ici. Donc ça doit pas être pour passer là. Ça doit être pour passer là-bas, je pense. Oui, ça me paraît bien. Ah bah non! Parce que là, je dois passer sur le... Je dois passer sur le vert, là. Donc en fait, non, c'est maintenant. Reviens! Mon enfant, reviens! I need you to passer sur le vert. Ok. Expert. L'expert, il doit être... Le plus éloigné. La plus éloignée. Alors, la tour la plus éloignée... Ben, c'est celle qui est juste là, en fait. C'est pas du tout la plus éloignée. C'est celle-là, là-bas. Oui, mais il peut en toucher qu'une, lui. Non, je pense que ça doit être... C'est forcément celle-là, à côté. Hein. Parce qu'il peut en toucher aucune, à part celle qui est là. Il est pas en direction de celle qui est là-bas. Non, en rouge, là. C'est qui en rouge? C'est les gardiens. C'est les gardes en rouge. D'accord, très bien. Ok. Tchuk, tchuk. L'expert, pouf, il pète la tour. Ensuite, ici, ça va faire tourner normalement le gros. Voilà, avec sa grosse queue. Voilà. Bah quoi? Mais c'est vrai, c'est vachement utile. Moi aussi, j'ai une grosse queue. Ensuite... Il faut que tu mettes la fille vers les gardes. Exactement. Il faut mettre la fille vers les gardes. Alors, du coup, la fille, il faut qu'elle l'embobine le garde. Tac, 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 tac. Pour y aller... Alors... Ah, mais il y a un monstre aussi à côté de là. Comment elle fait pour embobiner les deux? Elle peut pas embobiner les deux. Elle fait que le garde.
que le garde, pas le monstre, c'est le garde. Voilà. L'autre, en fait, c'est un piège, l'autre. C'est pour être il un piège. Il se trappe. Sachant que j'ai besoin... Attends, parce qu'il faut que je puisse revenir. Il faut surtout que tu puisses aller de l'autre côté voir le jeune homme. Ouais. C'est pour ça que je suis embêté. Parce que là, si je vais la faire tourner, il faut que je passe de l'autre côté et du coup, je suis bloqué. Donc, comment faire exactement, là? Saute. Je ne peux pas sauter. Je ne peux pas sauter. C'est justement ça, l'astuce. Parce que du coup, si je vais modifier le truc... Putain, je suis baisé, là. Je suis grave baisé. Ah ah ah! Je vais devoir tout recommencer. Parce que là, je vois pas comment faire. Si je fais ça, je peux tourner, mais je peux pas faire le tour, je vais crever. Mais non, mais dans tous les cas, je suis U. Je vais la faire tourner, histoire que juste qu'on puisse voir si c'est bien ça qui détruit la tour. Voilà. Toc, 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 toc. Elle détruit la tour. Bam! Voilà. Hop, 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 hop. Hop, on triche. Oh non! Oui. Nice. Voilà. Oui, obligé. Bon. On recommence. Au début, c'était très bien. Là, il n'y a pas de souci. Ça fait genre blob, blob, pouf, ça explose partout. On n'a pas besoin. Lumi, c'est pas grave. Toc. Là, il tourne deux fois. Hop. Toc. Moi, faut que tu t'en sers pour aller vers le jeune homme. De quoi? Je me sers de quoi? Le dragon? Ouais, je pense. Donc ça c'est ok. Toc, il lui pète la gueule. Toc. Hop, là ça va là, là ça va là. Ah, peut-être qu'il fallait que je passe par ici. Ah, faut que je passe par là, que je fasse le tour et ensuite je conserve celle-là. Ok, d'accord, je vois peut-être comment il... comment j'aurais dû faire. Pof, pof, pof. Là ensuite, il faut pas que je nique celle qui est à gauche. Parce que ça va être ma dalle de sortie. Ça, c'est ma dalle de sortie. Dans tous les cas, en fait, ça ne me permet pas de récupérer. Je peux pas récupérer l'orbe. Du coup, tant pis pour l'orbe. Je préfère garder. Je préfère garder le reste. Allez, on va garder plutôt le reste. Attends, mais là, si je fais ça, ça me permet de faire le tour par là. C'est pas mal. Hop, voilà, hop, voilà, et hop, voilà, toc, donc là je fais le tour par là, elle, pouf, toc, voilà, bon là je peux pas récupérer l'orbe, tant pis, c'est pas grave, juste que ça va me servir ici, du coup pour, voilà, là c'est le jeune homme, ah je peux relire le chapitre depuis ici, maître magicien expert, harpe, ensuite c'est la fée. Donc il faut que je passe par le dessus pour atteindre la fée. Hop, sachant que la fin du chapitre est... La fin du chapitre est juste derrière, ça va. Ok, ils sont pas bâtards. La fée, faut la tourner. Donc faut que je fasse attention. Hop, je peux récupérer ça. Et logiquement, si je la tourne avec un joli coup de boule. Boum. Coup de boule of the Lumi. Me fait même pas un coup de boule. Ok, là, il faut qu'il soit face à la bestiole. Bon, il est pas face, il est de dos. La bestiole est pas face. Oui, il faut que la bestiole soit de face, je pense, pour qu'il lui lance le sort. Parce que le rubis explose, donc il faut qu'il lance le sort de face. Ah, yes. Il a brrr. Ah non, pas rien. Ok, d'accord. Tant pis. Tant pis pour l'orbe, c'est pas grave. Ah, vas-y, go. Lumen! Allez, incroyable! La potion du singe. Je sais pas à quoi c'est ça. Ah, ouf! L'épreuve est terminée. Tu voulais pas faire la voix? J'imagine que la sortie est par là. Oui, gamin. La sortie est par là, en effet.
What the fuck, mais c'est sur l'île du 1 ! Eh, on est où, là ? Je me rappelle pas. C'est bien haut, ici. Bah, c'est l'île de la fin, en fait, du 1. Ah oui ! Bienvenue. À l'épreuve de courage. De la lame de votre épée, l'ennemi doit être tué. En plus, ça des rimes, des... Non, mais tu me dis pas qu'on va devoir réaffronter l'ennemi. J'aime bien qui ça peut bien être. Ah, puis on a les gosses avec nous, ça va. On a les petits bébés. Les gosses. Ah, les gosses. Les pierres de sauvegarde. Vas-y, c'est la pierre de sauvegarde. Oui. Vas-y, sauvegarde tout ce que tu peux. Oui. Le repère de pirate. Très bien. Et au chapitre 2 ? Oui, les épreuves du dôme. Ah, je pensais que ce serait passé au chapitre 3, mais on n'a pas vu le truc du chapitre 3. Mais on va s'arrêter là, petit garnement. On va vous laisser le combat pour la semaine prochaine. Bien évidemment. Tu as vu le compteur en bas qui est en mode. Arrêtez-vous. On espère, dans tous les cas, que cet épisode vous a plu. Si vous n'avez pas joué à Ni no Kuni 1, ça ne vous rappelle pas grand-chose, mais ça vous raconte un petit peu l'histoire. Ça spoil pas, ça fait genre, hey, il y avait des gens, il y avait des méchants, et vous avez tué les méchants, et ça s'est bien terminé. Voilà. Et on va vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur Ni no Kuni 2. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Allez, salut à tous.